Et nut-nut, ou plutôt nut-nut, YouTube, j'espère que vous allez bien. Bah oui, bah d'accord. Bonjour, Xplit, sinon ça te gêne pas trop? Merci. Donc je disais bonjour, hein, c'est Elphoris, petit gamer manchot à votre service. On est sur la vidéo numéro 6, normalement si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. La numéro 6 donc du coup de Devil May Cry 5, sûrement la dernière que je tournerai aujourd'hui sur cette session d'ailleurs. Et en fait, on a eu un petit problème tout à l'heure, vous l'avez pas vu, mais on a eu un petit problème de décalage. Voilà, là on n'a plus de décalage du tout, mais tout à l'heure on avait un gros décalage sur l'enregistrement et c'était un petit peu chiant. Et donc on en a profité pour fouiller un petit peu les menus du jeu parce que je voulais éteindre le jeu. Et on a trouvé ça, la lettre numéro 2 de Morrison. Vous savez, la première lettre, c'est celle où il dit que Dante se faisait appeler Tony Redgrave, etc., etc. Et en fait, on a la deuxième. Donc je vais vous la dire et je vais vous la partager parce que je pense que c'est important pour l'histoire, vraiment. Et on n'a que 4 lettres en plus. Alors, du temps où Dante se faisait appeler Tony Redgrave, il y avait cet endroit en ville, le Bobby's Cellar. Un bouche plein de chasseurs de primes et de mecs qui se prenaient pour des mercenaires. Sans oublier notre ami Tony, donc Dante, hein. Il venait là de temps en temps comme la racaille qui rôdait dans le coin pour gagner un peu de fric. Tu vois le genre d'endroit. Il y avait plein de gars comme moi là-bas. On faisait la tournée de ces établissements malfamés pour vendre nos infos aux plus offrants. Au bien vivre, tu sais. Bref, j'ai pu me faire un beau paquet de pognon avec le Tony. Mais le pire, c'est qu'il était toujours fauché comme les blés. À chaque boulot, il se débrouillait pour bousiller ses flingues. Maintenant, je comprends pourquoi, bien sûr, mais à l'époque, je trouvais ça dingue. Je me demandais quel genre de munitions il pouvait bien utiliser pour niquer deux flingues à chacun de ses boulots. La vieille armurière du quartier, elle l'avait à la bonne. « Les flingues normaux doivent être des jouets pour toi, pas vrai, Tony ?» qu'elle lui disait. À force, il a compris qu'il n'arriverait jamais à s'enrichir comme ça. Alors, il a demandé à la petite vieille de lui fabriquer une paire de flingues rien que pour lui. T'as deviné ? C'est à elle que Dante donne ses copines Ebony et Ivory. Sauf qu'elle a claqué dès qu'elle les a finies. Enfin, quelqu'un l'a descendu plutôt. J'ai jamais su qui avait fait le coup. À l'époque, j'avais quitté la ville pour un job, pardon. Mais Tony, ou plutôt Dante, lui, il savait. Apparemment, un déduire de Bobby Cellar l'aurait vu aller quelque part avec une tête à faire peur le jour où elle est morte. Et plus personne n'a revu Tony Redgrave là-bas. Ok, et on a donc du coup... Ça, c'est des profils, hein, voilà, donc c'est juste... des petits trucs qui sont écrits, mais on va les lire quand même, parce que je pense que c'est vachement intéressant pour ceux qui connaissent mal, et après on fait la mission numéro 6, ne vous inquiétez pas. De temps en temps, on rencontre une femme dont les gens disent que c'est une sainte. C'est-à-dire, je crois pouvoir dire que de toute ma vie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un à qui ce terme s'applique plus qu'à Kiri. Ces temps-ci, elle s'occupe des enfants d'un orphelinat de Fortuna, donc des MC4 pour ceux qui ne connaissent pas. Avec toutes les horreurs qui se sont produites sur cette île, on peut dire sans risque que sans elle, ces pauvres gens ne s'en sortiraient pas. Et je parle même pas de sa beauté. Si Nero n'était pas là, elle devrait repousser les soupirants à coups de bâton. J'ignore ce qu'une fille comme elle fait avec un vaurien comme lui, mais ça me regarde pas après tout. Tous les goûts sont dans la nature. Je sais pas qui écrit ça, mais c'est intéressant. De quoi ? Tiens, je suis dedans, Kiri alias Valkyrie. Mon dieu, tu sors, Valkyrie. Partout dans le monde, on raconte la légende du chevalier sombre Sparda, un démon maître de l'épée qui a vaincu le roi du démon inférieur afin de protéger la femme qu'il aimait. Bonne chance pour trouver un gamin qui ne connaisse pas cette histoire par cœur. Mais les habitants de Fortuna ont fait plus fort, ils ont carrément fondé une religion sur ce récit. Bon d'accord, on a découvert des textes prouvant l'existence de Sparda, mais très peu de gens le savent. Ma mère me parlait de Sparda quand j'étais bébé, mais elle croyait qu'il s'agissait juste d'histoires qu'on raconte aux enfants pour les aider à s'endormir. Mon père, par contre, il venait de Fortuna, alors il y croyait dur comme fer, mais il n'a jamais obligé ma mère à partager ses convictions. Il avait peut-être peur qu'elle le prenne pour un fou, ou si ça se trouve, il était tellement amoureux qu'il se fichait de ce qu'elle pouvait bien penser. Ils ne sont plus de ce monde, alors je peux pas leur demander, mais j'imagine bien ce que ma mère dirait si je lui apprenais que je fais équipe avec un descendant direct de Sparda. Elle me ferait interner, c'est sûr. Désolé maman, mais Sparda n'est pas juste un conte de fées, Nero et Dante en sont la preuve vivante. Donc ça doit être, directement des trucs de notre ami Nico. Bon par contre, je vais pas vous lire tous les documents, hein, voilà, c'est juste pour vous dire, on a ce qu'il faut, on a même des cinématiques, hein, pour ceux qui veulent, voilà. Toutes les cinématiques débloquées une par une, ça c'est plutôt sympa. Et on a même le jukebox qu'on peut avoir, oulala, il y en a tellement. Il va y en avoir tellement à débloquer dans le jukebox, il y a même des voix et tout, putain la vache. Ça va faire beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup de choses à débloquer. Bon du coup, let's go, on va continuer là où on en était, donc c'est-à-dire le géant d'acier. On revient en arrière, hop là, excusez-moi j'avance un peu. On revient en arrière et on va jouer avec Nero, donc.
directement. J'adore comment ils nous préviennent, c'est cool. Mais pour faire deux chargements, on dirait en SEM, quoi. C'était méchant. Mais tellement vrai. C'était méchant, mais tellement vrai. Du coup, le double saut coûte 20 000. Donc on va tous garder pour ça. Mais c'est assez chiant quand même. Et après, il faudra que j'économise pour le Blue Rose, qu'on ait le Color Up 3. Après, Color Up 3, c'est que 20% du truc. Hein. C'est quand même assez ouf. Hein. C'est que 20%. Bon, on va garder des thunes. On va garder des thunes. Ah, attendez, merde. Elle nous a montré de nouveaux trucs que vous n'avez pas vu en stream. Je vais juste vous les montrer, en fait. Avant que ça disparaisse. Toc, toc, merci. Voilà, donc on en a de nouveau. Le Tomboy, qui est ici, qui est renforce, en fait, Blue Rose et Red Queen. Et on peut l'activer ou le désactiver quand on veut. Et le Buster Arm, du coup. Alors, c'est pas le Buster Arm comme vous pensez, hein. Mais en gros, il est capable de tuer d'un seul coup avec la technique Buster du Devil Bringer. Son incroyable puissance le rend aussi très fragile, par contre. Voilà, donc ça, c'est les deux nouvelles armes qu'on a. Je voulais juste vous les montrer sur la vidéo YouTube, parce que nous, de notre côté, bon, on les a déjà vus, en fait, hein, clairement. Et on va commencer la mission numéro 6, c'est parti! En espérant que le chargement ne fasse pas comme tout à l'heure. Non, il ne le fera pas comme tout à l'heure, c'est bon. しかしエロい体してやがる。いや、その別にそっちの毛はないぞ。あとは私がやっとくから。お前は行けよ。ああ。なんだよ。これだけ無視して進むのはさすがに無理か。気をつけろよ。ああ。 Ok, direct, d'accord, très bien, je vois ce que c'est, on rentre direct dans le vif du sujet. On est un peu loin par contre pour ça, donc est-ce qu'on pourrait avoir d'abord les jambes, s'il te plaît, voilà, merci. Non mais, ah oui, d'accord. Ok, on va retomber. Olé. Ah oui, j'avais pas vu ça, d'accord, très bien. Donc vaut mieux rester. Merde. Le truc c'est que comme tu bouges tout le temps, quand tu fais ça, tu ne restes pas en place. Hop, 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 hop. Reste au milieu de secondes. Ah merde, d'accord. C'est comme ça qu'on va se faire... What? Attends, c'est chaud ça pour rester avec lui après. Où est-ce qu'il va comme ça? Ah voilà, il est là. Merci. Ah ouais, le Devil, il se casse, mais il est bon, hein. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà, lui, il va me faire monter, merci. Déjà? Bon, bah ok, écoute, hein, si tu le pètes déjà, on va faire comme ça, hein. Je crois que t'as raison, Caldé. Le film d'acier, c'est un film sur Superman.
Non mais fais-le bien un petit peu. Cheat. Alors ça va être dur d'avoir le S ici, hein, clairement, je pense. En fait, cette mission, c'est juste un combat de boss. Mais un combat de boss où il est quand même assez assez ouf, je trouve. J'aime bien le avec la participation d'Elphoris. Honnêtement, j'ai toujours pas compris le principe. D'accord. Le principe du online. Ah oui, t'appelles ça un cafard, toi? Sans déconner, Nero? Toi, t'appelles ça un cafard? Parce que moi, personnellement, j'appelle pas ça un cafard, hein. Oh, bam! Alors attends, parce que là on va avoir autre chose à buter avant. Ah ouais, il va se relever là. Wallé! Oh putain, l'enflure. Oh l'enflure. Ah ouais, d'accord. Il veut jouer comme ça, très bien. Putain, là on lui a fait super mal. Ok, je pense qu'on l'a eu. C'était easy, hein. On va peut-être faire la mission 7 avec les mecs, hein, parce que... Ok, on va faire la mission 7 avec, parce que c'était vraiment très court. Et non seulement c'était très court, mais en plus de l'attaque du titan, bravo pour le... Vous l'avez pas vu, vous, parce que j'ai enlevé le Steam Overlay, mais j'ai eu un trophée appelé l'attaque des titans. Voilà. Et non seulement c'était très court, donc, mais en plus, c'était pas ouf. Vraiment, c'était pas ouf, ça, par contre. Hein, c'était pas génial. Le mec confond un truc démoniaque avec une boîte de conserve. Non, mais c'est surtout... c'est surtout la remarque de Nico. Tiens, ça pourrait servir. C'est vrai qu'une botte de conserve, ça pourrait servir, mais bon. Non, pas ça. Alors, Lady, dis-nous tout, s'il te plaît. Dante et Torishu, comment est-ce que tu es avec toi? Torishu a été avec toi. Je te souviens. Mais je ne sais pas ce que Dante. そうか。この先は車では無理だ。ああ、知ってる。お前を待ってた。クリフォトまでもうすぐだ。待ってろ。準備する。元気そうで何よりだ。ああ、あんたもね。拾っておいた。使えそうなら使え。くれてやる。やった。また素晴らしい作品が生まれちまうな。V のことどう思ってるの？よくわからないけど、役には立ってる。もういいから、あんたは休んでな。
レディ起きろ。仕事の時間だ。休んでろって言われたんだけど。ああ、それはもちろん知ってるさ。だけど進むには道が必要だ。ほれ、前も熱だえ。おらら、le fan service。とりあえず着るもの貸してくれる。La lumière. La lumière très bien posée. Et ce fan service, mais sans déconner, quoi. Oui, 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 on peut choisir, on peut choisir, on peut choisir, on peut choisir. Vraiment, vous avez cru que j'allais prendre Nero? Je l'adore, Nero, hein, c'est pas le propos, hein. Mais il a eu tout le cadre pour m'impressionner. Maintenant, il est temps de jouer avec V. Non, je reviens pas en arrière, Valkyrie. Tu te calmes tes hormones. La pauvre. Ah, connexion au réseau, c'est la dernière fois. C'est là où on a eu un souci de... un petit souci de synchronisation. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Y a pas trop de bordel. Ouais, ouais, c'est bon. Ok, let's go, du coup. Alors ça va, ils sont gentils. Ils nous offrent direct... Oui, pardon, excusez-moi, c'est vrai. Voilà, c'est plus simple comme ça. Voilà. Ok, donc Asa, il a fait un double S. Oh, bonjour les nouveaux. Riot, griffe du désastre. Ok, donc il va falloir le suivre, bien évidemment, comme pour les scissors tout à l'heure. Je vais juste regarder s'il y a des trucs. Il y a des trucs à choper de l'autre côté, mais je pense qu'on y... C'est ça, on y reviendra plus tard, en fait. On y reviendra plus tard, clairement. Je vais voir si je peux pas trouver un moyen de passer de l'autre côté ici, la mise à part des ennemis. On n'aura pas de moyen. J'adore comment on esquive les ennemis en tuant d'autres. Allez, bam! Nope! Je pense que c'est un S. Je pense que ce sera un S pour ce combat. Alors, on va le... Je vais y aller doucement, je vais pas aller à fond et courir à fond parce que je sais pas ce qui nous attend. Ouais. Je m'y attendais un petit peu. Je m'y attendais un petit peu à ce qu'on nous dise ça, clairement. Ok. Oula! Qu'est-ce que c'est que ces fleurs, hein? Ça me rappelle un certain... Oh putain! Je l'avais pas vu! What? Allez, Nightmare! Non, mais il est devant toi, en fait. Hein. What? D'accord, donc il est apparu de nulle part. Et Nightmare n'est pas apparu. Et Nightmare n'est clairement pas apparu. Tu t'enlèves, Bagheera, s'il te plaît? Ok. Faut aller par où? Faut aller par là, d'accord. Oh la vache, t'es quoi, toi? Oh, t'es dégueulasse. Ah oui, d'accord. Il vient de me popper sur la gueule, lui.
Attends, on va vraiment partir loin. Oh là là. Non mais... Voilà, merci. Attends, il y en a un là, il est presque mort. Voilà, merci. Allez, le double S, qu'est-ce que tu veux? Le triple S, allez! Mon premier triple S, les mecs! C'est beau! C'est magnifique! Ça fait trop plaise. Et c'est donc avec V que j'ai mon premier triple S. Voilà, je n'avais jamais eu de triple S avant. Vraiment. C'est une première. Pour le... C'est une première pour le jeune Elfo. Je suis content! Ça se voit? Ça s'entend? Ah ben voilà. C'est que je suis content. Alors attendez, hein, on va aller là-bas chercher ce qu'il faut. Merci. On va libérer ces pauvres âmes. Ok, t'es quoi toi? Et c'est parti! Ça marche toujours mieux quand on pète tout correctement. Smoking skill sexy. Of course. Of course. Ah. Oh la vache. Bah oui, on a un deuxième, bien évidemment. Ah que coucou, Bob. Ok. Alors vraiment, par contre, si quelqu'un arrive à m'expliquer le principe du... Oui, merci. Le principe du... Oh putain. Ça va être chiant. Le principe du online, je veux bien. J'ai toujours pas compris. Hein. En fait, c'est son double saut, ça. Ah, je viens de comprendre pour V un truc quand j'en avais pas compris avant. Allez, c'est parti. Hop, hop, wow, 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 wow. Ah mais ils sont tellement nombreux. Alors oui, j'ai arrêté le temps, hein, puisque j'ai gagné cette possibilité. Attends, parce qu'il y a l'autre là-bas, qui est rapide aussi, et j'aimerais bien qu'on se le fasse définitivement. Oula, il y en a un autre qui vient d'arriver, très bien. Allez, le dernier. Non, il y en a encore un, mon grand. Voilà, non, là. Enfin, après, je pense qu'il va en faire venir à H24. Ouais, c'est ça. Il faut, faudrait mieux s'occuper de lui, en fait. C'est ça. Voilà, c'est bon. Là, maintenant, il va y avoir tout le monde. Donc, dès que j'ai mon gros là, qui est prêt, Nightmare, on va faire venir Nightmare. Je suis désolé, je parle pas beaucoup. Je me concentre tellement pour essayer de faire les meilleurs combos possibles.
Mais là, je vais pas avoir de double cette fois-ci. Hein. Quoique, peut-être. Non, juste un double S, je pense. Ouais, double S. C'est déjà pas mal. Honnêtement, avoir déjà eu un premier double S, triple S même. Je suis content déjà moi. Je suis déjà content. Alors qu'est-ce qu'on a débloqué du coup, parce que j'ai pas fait gaffe. C'est où que ça a débloqué? Ah du coup on peut passer par ici, ok. Il est encore là. Ah voilà, il va être là. Non. Merci. Et... Merci. Là on va être bon. Là on va être bien. Là on va pouvoir passer. Je dirais que la coop de DMC5 est juste la façon qu'ils ont opté pour éviter d'avoir une IA qui pilote les persos, que tu ne joues pas quand ils apparaissent dans l'histoire, t'as un autre jouant le perso que tu as laissé de côté qui se retourne dans ta partie. Ah, c'est possible! C'est tout à fait possible cette histoire, mon ami. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe à ça. Ah, ils sont pleins là-bas. J'ai pas fait gaffe à ça, mais t'as tout à fait raison, Caldé. Ça doit être ça. Et... Bah tiens, regarde. Regarde qui est ici. Je crois qu'on est bon. Oui, non, mais c'est ça, c'est bien un autre joueur. C'est tout à fait ça, c'est bien un autre joueur. Ok, c'était donc ça. Eh ben écoute, merci Caldé, parce que j'y aurais pas pensé. J'aurais pas du tout pensé que ça pouvait être ça. Alors n'oubliez pas les enfants, hein. Prenez les orbes vertes quand vous êtes full vie, ça vous donne des orbes rouges. Si, si, sérieusement. Alors maintenant, il faut passer par où? Par là, je suppose. Attends, on va regarder avec la map. Oui, c'est ça. Oh, l'horreur. Oh, l'horreur! D'accord, ok, je vois le principe. Il y a un mec ciseau, il y a... Ok, d'accord, je vois le principe. Ok, c'est nice. Je veux qu'elles explosent le truc là, parce que voilà, c'est ça. D'abord, parce que sinon ça va être la chienlit. Allez, meurs! Eh ben, c'est pas mal! Bon, par contre, on se tape un B au lieu d'un S, mais... Ah merde! Mais c'est pas mal! Ah, il y a un téléphone. Pousse-toi, Bagheera! Oui, j'ai décidé que je t'allais t'appeler définitivement Bagheera, ne cherche pas à comprendre. Truc.
Donc c'est bien ça, Caldé, il a bien vu la coop, donc du coup, enfin l'online c'est bien une coop, comme ça en fait, avec des gens online, tu peux aussi dire non. Honnêtement, c'est cool, c'est vachement bien pensé, et ça casse pas tout en fait, donc c'est vraiment bien. Mais putain, mais c'est pas possible, mais meuf quoi. Elle me tue cette nana. Tu me tues, Nico. Comment tu fais à chaque fois? Alors, on pourrait augmenter Griffon encore un petit peu. Et je pense que c'est une bonne idée de prendre le Blockade 3. Et le Round Robin 2. Merde, c'est quoi le double check? Alors, il y a beaucoup de choses, à mon avis, qu'on ne va pas utiliser. Hein. Son temps de récupération, bien évidemment. Ok, Shadow. Donc, Aka, Bagheera. Hedgehog. Et Hedgehog 2, tant qu'à faire, hein, puisqu'on peut déjà augmenter à Hedgehog 2. Voilà, comme ça, on sera pas mal. Merci. Donc, du coup, est-ce qu'on va faire le boss à 2? Ce serait fou. Ah bah, attendez. Non mais... Oula, ça par contre ça va être chiant ça. Voilà, merci. Ah. Voilà, merci bien. Alors attends, je vais juste aller voir là-bas pour voir ce qu'il y a, mais je pense que c'est la même chose. Et c'est ça. Go. Alors par contre, il a vraiment pas pris le sprint lui, hein. On va aller. Oh putain, chercher ce qu'il faut, j'allais dire, mais. On va s'occuper comme ça déjà. Merci. De toute façon, lui, il a tué le gros en haut, donc on est bon. Oula! Oulala! Ce fut un opéra. On se rappelle d'une certaine dame de l'opéra. Oh yes! Oh, c'est bien foutu! Proto Angelo. Et les scouts d'Angelo avec derrière. Ouais, juste pour être sûr. What? Pardon! Oh, le principe de fou! Ah, par contre, il reste pas longtemps. Ah non, c'est parce qu'il l'a tué, lui. Très bien. Je sais pas où je suis. J'y vois rien. Ah oui, j'étais sur Nightmare? Non, pas encore, pas déjà. Il est mort. On l'a défoncé. On l'a juste défoncé. なんだよ、もうバテたか?
昔を思い出してた。この町は以前にも悪魔に襲われてる。そうなのか。その時に俺もここにいた。Comment ça, t'étais ici ? ここが遊び場だったからな。俺の家だ。ここで別れよう。先に行け。おじけづいたのか。違う。俺は魔剣スパーダを探しに行く。ああ、あんなもん必要ねえよ今さら。前は俺もそう思ってた。だが勝つために使えるものは使わないとな。前は俺もって何を隠してやがる。Perso, j'aimerais bien le savoir aussi ce qu'il cache. Je suis très curieux de ce qu'il vient de dire, surtout. V est né à Redgrave. Ce qui veut dire que V était un enfant pendant l'épisode de... Alors attendez, Redgrave, c'est DMC3 ou DMC1, je sais plus. Je crois que c'est le 3. Je crois que c'est le 3. Bon, en tout cas, je ferai mes petites recherches personnellement juste pour savoir. Mais pour YouTube, on va se laisser là pour ce dernier épisode. Donc, du coup, épisode numéro 6 avec l'émission 6 et 7. J'espère que ça vous a plu, YouTube. Merci d'avoir suivi ce stream. On se retrouve très bientôt pour l'émission, l'épisode numéro 7. Et bien évidemment, vous savez quoi faire avec ce qui est en bas. Sur ce, bye bye YouTube. A plus. Je vais pas mieux.